Et voilà le fameux défi Opération Watchman en difficulté extrême. Je reste en difficulté arcade, j'ai marqué la Cruz Bravo et je me redéploie à 23 heures. Redéploiement que j'ai d'ailleurs bien raccourci. Voilà, on est à la Cruz Bravo, que j'ai fait un peu de coupe hein, quand même. On commande un hélicoptère qui met toujours au même endroit, c'est-à-dire juste en dessous au bas de la route. On descend chercher les petits hélicos sans se faire écraser, parce que des fois il y a des voitures à 23 heures, là, des fois il n'y en a pas. C'est toujours assez aléatoire, pas tellement, mais une fois sur 10, quoi. On prend l'hélicoptère, on décolle, en verticale, sans avancer, sans rien, c'est juste pour sauter en parachute l'hélicoptère. Vous voyez, on monte jusqu'à 1200, 1,2 km. Dès qu'il affiche 1,2, vous sautez. Voilà, vous sautez, vous ouvrez le parachute, la petite croix sur PlayStation, et vous descendez gentiment. Ajustez un peu la descente. Et essayez d'atterrir soit sur le toit, soit vers l'escalier. C'est un peu comme vous voulez, mais évitez d'atterrir en dehors de ces fameux trois petits points qui sont en dessous. Bien sûr, derrière, on a toujours le marquage de la Cruz Bravo. Mais enfin, voilà quoi. Alors, on arrive vers le point de rendez-vous, parce qu'il faut pas se faire repérer, bien sûr, ni tuer personne. Bon, là, j'ai été un peu vite, mais au moins, j'arrive sur le toit. Des trucs, je m'accroupis parce qu'il y a un sniper dans la tour, je saute par-dessus, je vais en bas vers l'escalier, il va lancer une vidéo que j'ai, bien sûr, accélérée, à fond la caisse. Voilà. Et j'ai continué, là j'ai mis en 4 fois l'accélération parce que il nous raconte une salade là pendant presque 3 minutes. Voilà, maintenant, là j'ai mis en 2 fois. Je tire sur le générateur électrique, j'ai pris le MK48 au cas où comme arme principale. Ah, il m'a descendu le sniper. Ouvrez le feu, ouvrez le feu. Non, ouvrez le feu, ouvrez le feu. Allez. Avec le MK48, un hélicoptère comme ça dure pas longtemps. Mais faut surtout abattre ce sniper, parce que lui, il adore vous tirer dessus. Voilà, on se fait un peu abattre, on y va, on envoie le drone. Alors juste le drone, mettre le drone soigneur, oui, bien sûr, pour réanimer vos coéquipiers. J'ai fait de justesse, car sinon je me suis tué. Voilà, on est toujours dans le mode accéléré, là on a 2 fois la vitesse normale. Même en 2 fois la vitesse normale, le coéquipier vient vous réveiller. Là, vous renvoyez le drone soigneur si vous pouvez, mais vous faites juste un repérage pour savoir autour ce qu'il y a. Enfin, vous le faites de toute façon en difficulté arcade ou standard, ou comme vous aimez. Là, je regarde s'il n'y a pas un escalier, là, mais je vais juste envoyer le drone pour soigner mon coéquipier. Bien sûr, il y a des annonces là qui viennent me tirer dessus. Je regarde, oui, chaque fois que je peux demander de l'aide aux rebelles, je le fais. Là, j'ai encore un de mes collègues qui s'est fait buter, je lui ai envoyé encore un truc, je leur dis toujours d'ouvrir le feu. J'arrête pas, hein. Ils sont assez fourbes. Bon, le premier truc à faire, c'est de bousiller, bien sûr, le générateur électrique. Là, j'en profite. Normalement, ça dure 30 secondes, mais bon. Là, j'ai demandé de repérer un peu les ennemis pour savoir où ils sont. Il vient toujours là, devant la fenêtre. Et on descend. On peut lui tirer à travers le mur, vu qu'on est en difficulté, même en difficulté extrême. Bon, voilà. Je demande encore des mercenaires. Je passe par derrière ici. J'essaye d'abattre des hélicos. Voilà ce qui est fait.
J'y vais vite, 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 vite. Vite au petit hangar. Bon, je vais me faire encore tuer, c'est pas grave, j'ai encore deux coéquipiers. Là, j'ai accéléré parce qu'ils font assez long pour pouvoir réanimer. Bon, c'est l'opération Watchman, hein, c'est évident. Là, il y a le fameux sniper qui est là-haut, on essaye de l'abattre, voilà, c'est fait. Et on va dans le hangar, ici, se cacher un moment, en essayant, bien sûr, d'abattre les hélicos qui tournent autour. Lui, je crois que je ne réussis pas à l'avoir, il va même me tirer dessus. Lui, je suis en post-prod, hein, là, je suis en train d'enregistrer, donc... Bon, c'est pas grave si vous l'avez pas celui-là, mais mieux vaut l'avoir. Théoriquement, on demande une bonne chose. Et encore quelques-uns. J'essaye de prendre cet hélicoptère dans le hangar, mais malheureusement, j'ai décollé un peu vite et j'ai touché le toit du hangar et le piqué qui est là. Je leur demande un hélicoptère avec Gatling, c'est mieux, au cas où. Il faut de toute façon un petit hélicoptère, puisque votre coéquipier Deutschmann, il doit venir avec vous. Donc, machin, là, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref. Voilà, là j'ai remis la vitesse normale depuis un petit moment quand même. On décolle dès que notre trois petits points, là, il est rentré dans l'hélico et on se taille, mais loin de là, tout à gauche. Là, normalement, il y a une DCA, mais elle n'est plus là vu qu'on a désactivé le générateur électrique. On essaye d'éviter les missiles lancés par les hélicoptères. On attend d'avoir semé la patrouille de l'UNIDA. Attention, n'allez pas trop vers l'église à gauche. Voilà. Après, quand vous arrivez là, vous allez direction la Cruz Bravo. Vous remettez difficulté en extrême. Et là, quand vous arrivez au-dessus de la Cruz Bravo, au miracle, Watchman 1 sur 2, c'est fait. Et oui. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à aller à la Cruz Alpha. Donc, vous devez traverser la Cruz sans trop passer par la droite, rester un peu sur la gauche. Il n'y a pas de DCA dans le coin, mais dans le derrière la petite montagne à droite, il y en a une. Donc passez bien à gauche ici. Vous allez vers la Cruz Alpha, donc vous traversez la Cruz. 33,2 km, c'est en principe 30 secondes. Faites attention quand vous arrivez près de la Cruz Alpha, il y a déjà deux hélicoptères sur place. Pas vous poser dans le... Parce que les hélicoptères, les pales sont hyper fragiles. Les moteurs tournent encore. Faites pas trop de rasemotte là. Faites attention. Regardez bien sur la mini-carte s'il n'y a pas un véhicule de l'UNIDAD. Bon, c'est pas sans se faire repérer. Hein. Faut juste faire l'opération Watchman. Vu que c'était en difficulté extrême, j'ai rallumé les lumières pour voir comment. Et je me pose, je regarde bien où je me pose, vous voyez, déjà des hélicos, j'essaie de ne pas me poser sur un autre qui ne s'en mêle pas les pales, comme on dit. Voilà, là je peux me poser tranquille, je sors d'hélico, notre ami, trois petits points, il va arriver, voilà, voilà, il arrive au fond, et voilà. Je reprends des munitions par principe, je fais extraire, il lance la petite vidéo que je passe. Bon, il l'appelle Linda, alors que ça s'appelle Karen, voilà. L'opération Watchman, c'est terminé, il y a petit chargement, et le défi 2 sur 3 est fait. Et voilà, au suivant, et je vous montre bien qu'il est fait. Youpi!